Bonsoir tout le monde, bienvenue dans mon atelier. C'est chouette, je vois qu'il y a du monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouvel atelier avec un tutoriel de cartes pour changer. Alors, je vois des commentaires qui passent. Sylvie, bonsoir. Vanessa, Myriam, Re-Sylvie. Élise, Alice, ben c'est chouette, ça fait plaisir de voir tout plein de monde. Et j'espère être à la hauteur de vos attentes et que le modèle que je vous propose ce soir va vous plaire. Hop, juste, je vérifie, je vais mettre la fenêtre sur le côté pour pas que ça m'enquiquine, mais que j'arrive à voir vos commentaires. J'espère que j'arriverai à tout voir. Pour rappel, au cas où j'ai le soutien, coucou Marie-Ange, j'ai le soutien de Myriam Payette qui va faire la modération ce soir et qui surtout pourra me faire signe si jamais quelqu'un a besoin que je m'attarde un peu plus sur quelque chose. Et puis elle vous mettra également les liens vers les articles que je propose, parce que bah, je rebondis, du coup, je me présente, je suis Gaëlle Lambert, et si je vous propose des ateliers-là, c'est grâce au fait que je sois aussi démonstratrice pour la marque Stampin' Up, donc la marque assez connue maintenant de loisirs créatifs. Et ça me permet de pouvoir vous accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire en plus des ateliers que je propose là, de vous rendre service en vous permettant d'être 100% autonome chez vous avec du matériel que j'estime être de grande qualité. Donc bah, ce soir, Myriam qui est là en back-office pourra mettre les liens vers les articles. Vous pourrez y jeter un œil par curiosité. Mais surtout, pensez, si jamais vous avez des doutes ou des questions, pensez à me faire un petit message en privé, je répondrai avec grand plaisir. Et puis, si je peux vous aider à optimiser vos achats, ce sera tout bénef. Voilà. Je vais passer sur le plan de travail et puis je vais vous montrer le modèle. Vous aviez vu la photo qui se trouve là, qui en soi parle, ah, c'est pas une image, ne parle pas, mais ça vous donne déjà une idée du projet, mais vous allez voir en relief, en vrai, et j'espère que ça va vous plaire. Nous voilà sur le plan de travail, et voici le modèle que l'on va faire ce soir. Donc ça tient comme un chevalet, mais surtout, il y a ce petit pupitre sur l'avant. J'ai dit petit, ce pupitre sur l'avant de ma carte, qui est en relief, vous voyez. Et ça donne vraiment un volume supplémentaire à la carte. Et en fonction de l'inclinaison qu'on donne ici, ça fait un effet livre. Je trouve super, super sympa. Je vous invite à sortir votre coupe-papier et puis choisir un papier cartonné A4 qui va nous servir pour une grande majorité des découpes. Donc sur une feuille A4, on va pouvoir faire l'intégralité de notre carte. Pour pour ma carte de ce soir, donc ici j'étais partie sur un modèle bleu nuit pour aller avec mes papiers motifs que j'ai mis à l'arrière, hein. Et cette fois, merci pour les cœurs, ça je les vois. Cette fois, je pars sur la couleur Corail Calypso, donc une feuille A4 de Corail Calypso. Oh, il est super flashy à l'écran, hein. C'est quand même un peu plus doux normalement. C'est en live, au top les filles. Super, super. Alors, on va découper notre base, qui est une base, tout ce qu'il y a de plus classique, qui fait 21 par 14,5. Donc, je prends ma feuille A4 en format paysage et je vais tailler à 14,5. Hyper basique. Attendez, je vais mettre hop, un petit fond gris pour qu'on voit mieux, qu'il y ait un peu plus de contraste sur mes mesures. À 14,5, ça je garde de côté, et puis je marque un pli à 10,5, forcément dans ce sens-là, pour avoir une base qui se plie. Je rappelle que le massicot Stampin' Up a deux lames, une gris foncé et une gris clair,
Pour marquer les plis, utilisez la grille claire. Moi, je passe toujours deux fois, je fais un aller-retour. C'est pas forcément une nécessité, je trouve qu'il marque plutôt bien. Et puis, pour celles qui me connaissent, je prends mon plioir en os. Et sur l'intérieur, je vais enlever les petits bourrelets que ça crée. Donc de l'autre côté de la coupe, il y a toujours ce petit bourrelet que j'enlève. Et je replie ma carte. Ça, c'est notre base. C'est quand même pénible que je vois pas vos commentaires. Moi, ça me frustre. Je vais vous proposer, dans la chute de papier qui nous reste, de découper le pupitre. Merci Myriam. Donc pour le pupitre, c'est tout simple. C'est ce que j'appelle le pupitre, c'est la partie avant là qui fait un petit livre. On dirait vraiment quelque chose qui est posé sur un pupitre. Et ça fait 10 par 10 plié à 5, tout simplement. Pour ça, je le garde dans ce sens-là, recoupé à 10. L'idéal, c'est de reprendre du coup en format paysage ce morceau-là, puisqu'on va encore avoir besoin de la partie qui se trouve à droite. Donc, je retaille à 10 par 10. Bon, tu vois, Myriam, tu vois toujours le même nombre d'yeux. Bah, ouais, chez moi, ça a bougé, mais c'était peut-être bloqué avant. C'est pas grave. C'est pas très, très, très important dans le sens où il y a le replay et que tout le monde peut sans problème me laisser un message en privé si jamais il y a quoi que ce soit pour refaire cet atelier. Voilà, j'ai marqué le pli au milieu, je le marque comme ça tout simplement, et j'aurais peut-être dû faire la marque de l'autre côté parce que pour le coup il va falloir qu'il soit dans ce sens là et je vais devoir enlever ici mon petit bourrelet. Allez, hop, dans le doute, je passe bien partout. Comme ça, c'est tout beau, tout propre. Voilà. Donc, on a la base, on a notre pupitre. Et pour continuer, donc ce pupitre tient sur deux petites papattes. J'ai pas su comment les appeler, j'ai appelé ça des pattes. Donc on va aller couper les deux pattes qui vont servir de maintien à notre pupitre. Toujours dans la chute qui nous reste. Enfin, pour le coup, on en a deux, mais on va garder la grande chute. Et puis vous allez découper deux morceaux dans cette chute qui vont faire 4 par 9. Alors ici, j'ai 11 cm, donc c'est très bien. Je vais couper deux bandes de 4 et je vais retailler à 9. Hop, je me mets là, comme ça on voit bien. Je coupe à 4. Je retaille à 9. Super massicot de compète, je suis bien d'accord. Une fois qu'on a goûté à ce massicot, on est comblé. Voilà, je vous ai marqué en haut les marques de plis qu'il va falloir faire sur ces deux pattes. On reste en format portrait. Et alors, j'ai mis un pli à 1, 4,5 et 9. Évidemment, c'est pas 9, c'est 8. Alors attendez, je crois en plus que je dois pouvoir le changer en live, ça. Ça, c'est magique. Ici, c'est 8. Paf! C'est magique. Voilà. Donc, ce fameux 8 cm, c'est 1 cm depuis le bord opposé. Donc, je vais faire 1 cm ici. Des plis, hein, ne coupez pas. 1 cm ici. Je retourne complètement, je fais 1 cm de l'autre côté. Et puis à 4,5, c'est le milieu. Elise, tu as raison.
ceci est un format paysage. Regarde, hop, ça c'est magique, regarde. Et voilà, ni vu ni connu, c'est bien du paysage. Plie à 1, 4,5 et 8. Voilà notre pâte, et ce ne sont que des plis montagne, du coup on se pose pas la question, ils vont tous dans le même sens. Voilà notre papate, elle doit donner ça. Je fais la deuxième. Voilà, j'ai mes deux pâtes qui sont prêtes. Allez, je continue, sauf si s'il y a quelqu'un qui me dit stop, stop, fais une pause. Je vais choisir mon papier motif. Je reprends mon modèle pour se repérer. Je vais choisir un motif pour le fond et un deuxième motif pour les papates. Je suis partie sur de la même chose que pour mon modèle, sur la collection Jolie Symétrie. J'aime bien ces couleurs printanières, là je trouve que ça va très très bien avec, avec la saison. Et comme vous le savez, derrière, je rappelle, si jamais vous ne le saviez pas, mais à l'arrière des paquets de papier chez Stampin' Up, les papiers motifs, hop, j'enlève le plastique parce que ça brille, on a la liste des couleurs qui vont avec. Chez Stampin' Up, il y a un énorme avantage, c'est que ça fonctionne par famille de couleurs. Et les teintes qui sont utilisées pour les papiers motifs, on les retrouve en encreur, en marqueur, etc. Donc on ne peut pas se tromper. En l'occurrence, j'ai pris le papier de fond en corail calypso parce que c'est une des couleurs qui est utilisée dans cette collection-là. Ça, je ne fais aucune faute de goût, ça va aller parfaitement bien avec mon papier motif. Ça, c'est génial quand il n'y a pas besoin de réfléchir de trop parce qu'on aime bien dans le scrap pouvoir foncer tête baissée, juste se faire plaisir et pas y passer 5 heures. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Voilà. Alors, je vais prendre ce motif-là. Et comme c'est en papier recto verso, c'est parfait. J'ai mes deux motifs, un pour les papates et un pour le fond. Je vais mettre ça de côté. Hop. On va commencer par tailler le papier motif pour le fond. Donc le fond est fait en trois parties. Le papier motif du fond, ce n'est pas qu'un seul morceau. Ce sont trois bandes de papier motif. D'ailleurs, vous pourriez très bien faire la bande du milieu ici d'une autre couleur que celles qui sont à l'extrémité, aux extrémités. Alors, pour ce qui va aller sur le papier de base, sur la carte de base, il vous faut un morceau de 10 par 5,5 et deux bandes qui font 10 par 4. Du coup, dans mon papier motif, si vous avez un sens, faites attention, il faut que tout se retrouve en format portrait. Et je ne me trompe pas, c'est bien portrait, c'est en hauteur. il se trouve que moi, mon papier n'a pas de sens dans l'absolu. Si, quand même, ce serait bien d'avoir la verticale comme ça. Donc, il faut que je coupe à 10 comme ça. Je taille à 10. Hop, ça va derrière. Et après, pour mes verticales, donc une fois 5,5 et deux fois 4 cm. Et vous savez quoi, je crois que je vais faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire mettre celui du milieu, mon morceau de 10 par 5,5, c'est celui qui va aller au milieu. Donc si j'ai envie de lui faire une couleur différente, c'est le moment. Je vais faire deux fois mes bandes de 4 cm avec ce motif-là. Voilà, et puis je vais faire la bande du milieu sur le verso à 5,5.
j'écrase mon petit bourrelet. Voilà. Ça, j'ai ça qui va sur le fond de ma base. Sur le papier motif qu'on a là, je vais encore couper un petit morceau. Là, je disais que il vous fallait deux motifs et le deuxième, c'était pour les pattes. Et je disais, une chute suffit. Ce qu'on voit ici, il voit des pattes. C'est un petit morceau dont on a besoin. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Et là, c'est simplement 3 par 3,5. Sachant que ce sera encore une fois en portrait, donc le 3,5 sur la hauteur, si vous avez un sens. Je vais tailler. Alors, on reprend la base de carte hein, qui était pliée en deux. Je vais enlever. Voilà, je reprends ma base de carte et sur l'avant, je vais d'abord coller les deux morceaux ici de 4 cm de chaque côté, donc sur chaque extrémité. Et pensez à laisser sur le bas, le haut et sur le bord environ 2 mm. Ça vous fait un petit matage, une impression de cadre qui rajoute franchement un petit plus. Et la déco, du coup, la bande de déco qui fait 5,5. Et on va aller fixer les pattes en dessous de ce morceau. Donc, je prends ma patte de manière à ce que ce soit incurvé vers moi. Hein. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais là, je suis en pli vallée face à moi. Et en coller cette partie de 1 cm. La partie de 1 cm collée du côté de mes vallées, et ça je vais aller le fixer à l'arrière de mon motif central. Je vais essayer d'être à l'œil sur le milieu par rapport au haut et au bas. Je vais mettre à plat, j'ai tendance à bouger pas mal. Voilà, je fixe ici et puis je vais mettre l'autre en vis-à-vis, à peu près au même niveau. J'en colle ma languette de 1 cm. Alors si vous n'êtes pas des pros du centrage, c'est une info que je rajoute ça. À la limite, comptez 3 cm, bah oui, c'est logique. Comptez 3 cm en haut jusqu'à la patte et pareil en bas. Une fois que les deux pattes sont fixées, on peut plier en deux ici. Plier sur le pli central de la patte. On va coller la déco sur ce carré ici. Enfin, c'est pas un carré, parce que du coup, on a 3 par 3,5 pour la déco. Et souvenez-vous, la déco est en format portrait, donc un vertical à coller ici. Ah, j'ai la visite d'un chat, je crois. J'ai la porte qui grince. Bingo. On n'est pas à l'abri qu'elle ait envie de monter sur le bureau en plus. Voilà, je fais la même chose en face.
Voilà, ça c'est ma déco centrale de 5-5. Mes deux pattes sont collées juste par la petite languette. Et la déco quand c'est replié à moitié. Bien, on va aller fixer ça maintenant sur notre base. Faut que j'arrête de dire des bêtises. Donc je vais recoller mes 5,5 cm là, de papier décor. Hop. Et je vais aller viser ça entre mes deux rectangles de 4 cm de large. Hop. Comme ça, nos pattes sont fixées de manière plutôt discrète. On aurait très bien pu faire un papier déco uni l'un sur le fond et aller coller nos pattes comme ça. Et voilà, là ça fait une finition quand même plus sympa. Le pupitre, il va falloir faire une décoration, on est d'accord, c'est un petit peu juste comme ça. Si vous aviez juste un papier blanc et que vous vouliez mettre un message, ok, on pourrait s'arrêter là. Moi, vous savez que j'ai l'habitude de proposer une petite technique, alors pas toujours, mais quand il s'agit d'un atelier comme aujourd'hui, où je prends le temps de voir avec vous pour des mesures, etc., j'aime bien montrer une technique supplémentaire. Et pour ce pupitre, j'ai décidé de vous montrer comment faire un fond à partir de vos tampons, d'une manière un petit peu différente que ce qu'on a pu déjà découvrir par le passé. Pour fabriquer mon fond, mon papier de fond, je prends un papier blanc. Alors je prends un petit peu plus large, comme ça je peux retailler dedans. Je prends... Oui, vous voyez, ça fait 10 par 10. Celui-là, il est un peu plus grand, mais je retaillerai ensuite dedans. Donc, j'ai du 11 par 11. Et pour cette technique, il va falloir un support en silicone. Celui-là est vraiment magique. Vous m'avez déjà vu l'utiliser une bonne demi-douzaine de fois pour des techniques de fond. Et bien, on remet ça. Je persiste et je signe. Le tapis, le support en silicone, c'est l'outil indispensable de la scrap room quand on a envie de faire des choses qui sortent un petit peu. Et je vais rebondir pour parler des couleurs. Je vous avais dit que dans la collection Jolie Symétrie pour les papiers, j'avais les noms qui étaient affichés au dos pour les couleurs. Il se trouve que là, je vais utiliser trois couleurs. Il y en a juste une en fait qui n'est pas sur ce papier là, mais j'ai mon corail calypso, donc le même que mon papier de fond et que les petites fleurs ici. Le jaune ici, c'est une couleur beau bourdon, donc je prends mon beau bourdon, vous voyez, c'est la même. Et puis la troisième qui n'était pas sur ce papier mais que j'avais ici, sur celle-ci, c'est la couleur juste jade. Ces deux couleurs, beau bourdon et juste jade, font partie d'une collection de couleurs, les couleurs tendances, que Stampin' Up! Appelle les in-color. Je voulais vous en parler ce soir parce que, si vous connaissez un peu Stampin' Up!, le 3 mai prochain, il y a un nouveau catalogue qui sort. Un nouveau catalogue annuel. Et on sait chaque année qu'une série de couleurs disparaît. Voilà, la série disparaît. Au profit d'une autre. Et ces couleurs-ci disparaissent cette année. Je vous fais le tour de la collection quand même, que vous sachiez. Parce que si vous les aimez, faites le plein avant qu'elles disparaissent du catalogue. Le 3 mai, c'est fini. C'est un nouveau catalogue. Elles ne seront plus là. On a Beau Bourdon, Juste Jade, Mystérieuse Brume, Magenta en Folie et Cidre à la Cannelle. Ces 5 couleurs, on s'apprête à leur dire au revoir. Donc, si vous êtes comme moi, ouais, je garde absolument toutes les couleurs depuis que je connais Stampin' Up. Des très vieux encreurs. Donc, je vais faire le plein de papiers qui vont être assortis à ces encreurs pour que je puisse continuer à profiter de ces couleurs encore un moment. Et voilà. C'est
Juste pour info, que vous ne soyez pas déçus de les voir partir et que vous ne regrettiez pas de ne pas avoir ce qu'il vous faut. Je vais aller appliquer ça sur mon tapis en silicone, mais à l'aide, pardon, je bégaye. Je les applique sur mon tapis en silicone avec des doigts éponges. Alors, les petits doigts éponges, bon, la grande majorité d'entre vous connaît, mais sait-on jamais, ce sont ces petits doigts en mousse. Alors, ça s'appelle doigt parce que ça va au bout du doigt. Et il y a une petite mousse ici qui permet de récupérer l'encre. Il y a de multiples utilisations pour ces doigts éponges. Là, ce soir, ça va me servir à l'appliquer sur ce tapis. Je vais commencer par la couleur la plus claire, donc mon beau bourdon. Hop. Et d'ailleurs, on voit bien à l'écran, mais on a cette partie au milieu qui est un petit peu plus claire, parce qu'on a tendance, quand on normal, hein, quand on tamponne sur l'encreur ici, on prend toujours sur le centre. Je vais en profiter avec mon doigt éponge pour aller récupérer dans l'angle. Bon, je récupère là-dessus, et puis je vais aller en mettre. Ça se voit pas trop là, ça se verra mieux après quand je changerai de couleur. Mais je vais faire de manière un petit peu espacée plusieurs taches comme ça sur mon tapis en silicone. Bon, on voit pas des masses avec celui-là. Je vais passer à la couleur Corail Calypso, vous verrez beaucoup mieux. Hop. Alors, vous voyez, je mets toujours une petite étiquette avec le nom de la couleur sur mon doigt mousse, parce que ça, mon doigt éponge, parce que ça m'évite de mélanger les couleurs, d'avoir toujours la couleur la plus propre et la plus pure qui ressemble le plus au papier, à l'encre d'origine, sans être souillé par une autre teinte. Ah oui, on voit nettement mieux quand j'utilise le corail, vous verrez. Du coup, je vais en mettre à droite à gauche. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de jaune, je verrai après. Voilà, j'ai trois endroits avec du corail. Je sais pas faire de bêtises, je laisse mes encreurs ouverts au cas où j'en remets. Et juste jade. Voilà, je vais tenter avec ça. Ça fait un peu bizarre, hein. Je fais de l'art abstrait, vous voyez. Et, alors, je fais de la place autour parce que je vais sortir un spray d'eau. Je vais me mettre très très loin. Alors là, j'aurais peut-être dû prendre un autre vaporisateur qui fait une brume plus fine. Je pense que ça va aller en me mettant un peu loin. Je vais quand même spritzer ça à côté, voir si ça fonctionne bien. Ouais, c'est bien. Je me mets 25 cm au-dessus. Je spritz deux fois, histoire que ça ne fasse pas des grosses gouttes. Ça humidifie légèrement le tapis en silicone. Et puis, ça va me servir de palette pour mes tampons. Donc là, j'ai choisi ce set ce soir, le set de tampons émotion effeuillée. Blablabla. Ouais, je reste dans le printemps, j'ai l'intention de faire quelques feuillages sur mon papier blanc. Bon, ce sont des tampons en caoutchouc montés sur mousse. Et je vais commencer par une grande feuille. Donc je prends mon bloc acrylique à la bonne taille. Brumisateur, ce serait l'idéal, Myriam, tout à fait. Du genre pour l'été qu'on achète au supermarché. Oui, oh, ça fait du déchet. C'est que je préfère éviter les déchets, donc je prends mon spray manuel là, rechargeable. Mais là, honnêtement, en spritzant pas trop près, ça fait pas de goutte, c'est très bien. Je vais aller récupérer mon encre directement sur mon tapis en silicone.
Alors, je ne vais pas me contenter de tapoter une fois, je vais faire mélanger un petit peu les couleurs. Alors, plus je vais y aller, plus les couleurs vont être mélangées, ça va faire des choses un peu curieuses. Mais j'aime beaucoup au final ce que ça donne. On va tenter comme ça. Voilà ce que ça me donne. Alors en fait, pourquoi je vous montre cette technique? On a beaucoup vu. Pour celles qui s'intéressent en tout cas au scrapbooking et qui regardent les tutos à droite et à gauche sur internet, on voit énormément de monde qui font la technique de la lingette. Ah ben, pardon, je rebondis, Elodie, il en existe des rechargeables. Super, je savais même pas. Nickel. Oui, donc je rebondis là-dessus en disant effectivement c'est une technique, l'effet que ça donne pourrait faire penser à la technique à la lingette. Donc ce sont des personnes qui utilisent des lingettes bébés et qui mettent des encres liquides dedans, dessus, pardon, pour faire une palette. Alors ben voilà Sylvie, c'est exactement ça. Sylvie vient de mentionner la technique. Pourquoi je ne le fais pas? Pour deux raisons. Déjà parce qu'il y a l'histoire de la lingette, qui n'est pas écolo. Et ça, c'est mon côté perso, hein. Et puis, tout simplement parce que tout le monde n'a pas des encres liquides. Donc ça peut permettre d'éviter d'acheter toutes les encres liquides de chez Stampin' Up si on aime les assortiments de couleurs. Ça permet d'avoir plus de choix avec nos encres classiques. J'aime bien quand c'est léger, mais je vais rajouter ici, il y a un tampon avec des petites taches. Voilà. Oh, ça fait bizarre à l'écran, mais ça rend bien en vrai. Petit coup de lingette sur le plan de travail. Voilà, j'espère que cette technique vous sera utile aussi si vous avez envie d'économiser du matériel et puis vous faire plaisir avec vos encreurs. Ça peut être une très bonne alternative. Je vais couper ça pour aller sur mon pupitre. Pour faire cette découpe, je vais faire comme la dernière fois, j'en profite depuis que je les ai, je les mets partout. Je vais prendre des découpes rectangles surpiquées. Hop, les matrices de coupe, des rectangles surpiqués. Il y a la surpiqûre à l'extérieur et à l'intérieur du rectangle, donc ça c'est vraiment super. On peut aussi bien faire des parties évidées que les rectangles utilisés tels quels. Et c'est l'occasion pour moi de rebondir une fois de plus, je sais, on est encore au mois de mars, j'en parle une nouvelle fois, mais vous parlez de la promotion Mini Machine, la mini machine de découpe et de gaufrage qui est avec une réduction de 20% jusqu'au 31 mars. Ça vaut super le coup. Et comme je disais la dernière fois pour celle qui était là, elle est nomade et légère. Et ça vaut de l'or. Donc je vais découper mes deux rectangles en surpiqué. Ah, attendez, pou, 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 je vais vous enlever ça. Hop, que vous soyez pas enquiquinés. Merci Mimi pour le lien. Oh, regardez, elle est légère, c'est génial. Mini machine de découpe et de gaufrage qui se plie, qui est toute mignonne. Et alors là, il va d'abord falloir que je coupe en deux, puisque la mini machine fait 8,5 de large et là j'ai 11 cm, donc je vais déjà aller couper ça en deux. J'ai mes deux morceaux et dans chacun d'entre eux je vais découper un rectangle.
Ah oui, et je rebondis une fois de plus. Attention, quand vous donnez à manger à la machine, ne lui donnez pas toute l'épaisseur d'un coup. Faites un petit escalier pour éviter de la gaver trop vite. Et restez bien, 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 bien droit. Faites pas comme moi la dernière fois, je suis partie de travers. Catastrophe. Voilà mon premier rectangle. Et un deuxième. Bien nourrir sa machine, c'est tout un art. C'est exactement ça, Elise. C'est ça. Pas trop vite. Et bien, bien droit. Non, j'insiste là-dessus, mais bien utiliser son matériel, c'est important. Si vous voulez pas avoir des surprises et garder le matériel le plus longtemps possible, prenez-en soin. Allez, je vais fixer ça et puis après je vais faire une étiquette avec un petit message. Donc ce set de tampons, pour le message, je pars sur tourbillon d'émotions. Et je vais mettre un merci, simplement un message merci. J'adore ce set de tampons. Au final, j'ai eu... c'est marrant parce que j'ai fait le yo-yo avec ce set. Quand je l'ai vu, j'ai craqué tout de suite parce qu'il y a une superbe arabesque. Après, l'émotion, justement, est retombée un petit peu. Je dis, bon, bah, j'ai l'impression que je tourne en rond. Et finalement, je le sors super régulièrement. Parce que par petites touches, il est parfait. Je vais prendre le merci. Je vais le tamponner en corail calypso. Alors, vous voyez, celui-ci, ce sont pas des tampons en caoutchouc, mais en résine. C'est un photopolymère. Ce qui est sympa, c'est que ça a une texture collante, donc on se pose pas la question. Ça tient nickel. Où est mon corail calypso? Là. Alors là, pour le massicot, quand je coupe une étiquette comme ça, je regarde à peu près ici où je tombe. Et surtout, je regarde bien ici dans la... Alors là, on ne voit pas forcément, mais dans le jour, dans la rainure de jour ici, que ça arrive au-dessus de mon écriture et que ça coupe pas. Là, par exemple, il y a le point sur le i de merci. Ce serait dommage que ça ait coupé à ce niveau-là. C'est ça qui me sert de repère. Je vais faire une queue de poisson. Le fameux fishtail. Donc pour ça, je donne un petit coup de ciseau au milieu ici, un petit coup de ciseau. Et je retaille de la pointe jusqu'au bout de mon entaille. Je vais aller au dos, ce sera mieux pour ce côté-là. Voilà l'étiquette, merci, avec la petite queue de poisson. La petite queue de poisson. Oh, mamma mia. Allez, je vais mettre ça en relief. Pour ça, j'utilise des Stamping Dimensionals. Oh yeah, baby. Je vais en mettre deux à l'arrière de mon étiquette. Alors, je suis désolée, je sors tout plein d'outils. C'est parce que pour moi, c'est du confort. Je sais que tout le monde n'est pas forcément équipé 200%, mais j'aime bien pour récupérer mes mousses 3D. Donc, les Stamping Dimensional, ce sont les mousses 3D. Je les récupère avec mon outil touche-à-tout et le bout piquant. Je trouve que c'est tellement mieux pour trouver un emplacement où le poser plutôt que d'y aller avec mes gros doigts.
Hop. Et l'avantage, c'est que pour les personnes qui n'ont pas d'ongles, il y a une petite pellicule à enlever pour révéler l'adhésif qui est à l'arrière. Ça peut très bien servir aussi à ça. La petite pointe, on la pique dans la mousse et on la soulève. Alors moi, c'est pas trop mon truc et j'y vais. J'ai des ongles, donc j'utilise mes ongles. Hop! Et je mets ça là. Oh, c'est pas droit, ça me plaît pas. C'est pas droit, ça ne me plaît pas. Hop, voilà, encore hop. Et l'eau, ça change la vie, cet outil. C'est l'outil touche à tout, l'outil indispensable, ouais, l'outil magique. Il sert à tout. Je peux faire une revue rapide pour les personnes qui découvrent, mais l'outil touche à tout, il touche vraiment à tout. Il y a ce pic ici, ça peut se dévisser, il y a une petite spatule, une spatule. Il existe un autre embout qui est sur celui-ci, mais il existe, parce que j'ai un deuxième outil touche à tout, un autre embout avec des ball tools, des petites bouboules sur chaque extrémité qui peuvent servir à faire des plis. Et ce qui est magique aussi, c'est cet embout-là avec un mastic collant qui permet d'aller récupérer des choses, des petites choses facilement, comme ça au bout. C'est pratique pour aller choisir l'endroit quand on veut coller des petites choses. Et là, je peux dire petite. Voilà. Parenthèse fermée sur l'outil touche à tout magique. Je vais fixer mon pupitre à ma carte. Et là, rien de plus simple. Je vais tout simplement aller en coller mes deux languettes ici. Les deux languettes qui dépassent. Et aller poser mon pupitre au milieu. Centrer et faire adhérer. J'ai encollé mes deux languettes de mes pattes. Je colle le pupitre par-dessus. Alors, il va falloir jongler un petit peu, surtout si on a de la colle liquide. Mais il faut qu'elle soit à plat au moment où je pose mon pupitre. Donc moi, j'utilise les petits doigts, l'un ou l'annulaire, pour tenir mes deux pattes et aller poser ça par-dessus. Je suis désolée, je passe la tête. Normalement, ici, on doit avoir la même quantité de pâte qui dépasse. Et j'appuie bien pour faire adhérer la petite languette. La languette! Je m'énerve toute seule contre moi-même. Voilà, voilà! C'est sympa, regardez comme il peut bouger le pupitre. J'aime bien, moi, quand il y a une petite inclinaison façon livre. Et voilà mon pupitre. Ah là là, regardez comme c'est beau le fond multicolore là. C'est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. Ouh, elle tient pas. Il faut que j'accentue un peu le pli. Il est où mon plioir? Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce modèle? Est-ce que ça vous plaît? Merci pour les cœurs, c'est chouette.
Pour les personnes qui sont sur le groupe, parce qu'il y a un groupe, Katsu Atelier Créatif, sur lequel on partage de manière un peu différente, c'est-à-dire que la page pour moi, là c'est 100% Stampin' Up, je vous montre les produits, quelques astuces, etc. Il y a un groupe sur lequel on fait aussi des échanges, des défis, etc. Je peux vous inviter à venir nous rendre visite sur ce groupe et puis à échanger, partager avec nous. Ce soir, après le live, j'ouvre un salon de papotage. J'aime bien faire ça après mes ateliers. C'est un salon Messenger, donc en visio. On n'est pas obligé de mettre la caméra si on est timide. Et ça nous permet d'échanger sur nos impressions, nos idées. Si on a bloqué sur quelque chose sur l'atelier, ce qui peut arriver, je reprends les choses avec vous. Et puis on se marre bien aussi, quoi. Voilà. J'ai quand même une info à passer, une info très importante. Enfin, si, en tout cas, c'est quelque chose que je peux pas ne pas dire. J'informe suffisamment à l'avance parce que c'est dans 2 semaines. Au 1er avril, nous Stampin' Up augmente le prix de ses frais de port. Alors je sais que tout augmente à droite, à gauche, un peu partout. Hein, voilà, dans la lignée de l'augmentation du coût de la vie, ils font une augmentation à partir du 1er avril. Voilà, que vous sachiez, que vous ne soyez pas surpris et que vous puissiez anticiper si vous avez besoin d'anticiper. Voilà. Bah écoutez, moi j'en ai fini pour cet atelier et je vous remercie d'avoir été présente avec moi ce soir. Merci à celles qui regarderont en replay également. C'est toujours un plaisir. Et pensez à me laisser un petit message si jamais vous avez des questions ou des doutes. Voilà, avec grand plaisir pour échanger avec l'une ou l'autre. Ou l'un ou l'autre, si jamais il n'y a pas que des femmes qui font du stampin' up après tout. Hein. Voilà, je vous donne rendez-vous sur Salon de Papotage sur le groupe. Et puis, si ce n'est pas le cas, je vous dis à tout bientôt pour un prochain atelier ou autre vidéo. Merci pour tout. Plein de gros bisous. Ciao, ciao.